Le soir arrive le temps des métamorphoses. Ce qui tout à l'heure était figé dans une existence de cire devient fantasme vivant. Fantasme de Michel Jean, peut-être. Ou de Mme Peset, ou de Kim. Ou bien d'Isabelle elle-même. C'est un étrange ballet qui va se dérouler pour la jeune fille égarée dans les méandres de l'horloge. Les visions de Michel Jean vont devenir cauchemars. Reviens. Pourquoi t'es parti? C'était pour rire. C'est pas vrai. Rien n'est vrai. Pauvre poupée de son. Pauvre fantasme agonisant. Tu n'existes déjà plus. Tu vas disparaître comme cette petite fille qui faisait couler son sang dans la coupe d'Albin. Les piments, ça, vous aimez les piments, ça donne de la force aux hommes qui n'en ont plus. Vous aimez les hommes? Quelle drôlerie. Et pourquoi tu crois qu'on est là, Duglan? Pour jouer à la crapette? Bon, il est prêt, le Michoui? Eh oui, bientôt. Tu crois qu'il cherche une gonzesse? Il faudrait quand même se méfier, hein. Des fois qu'il viendrait de ces banlieues un peu... T'oublies, j'ai vécu 2 ans à Champs-sur-les-Vignes. Tu veux voir comment je leur parle? Jambon, c'est ça le tout, toi? Jamais que je t'ai vu quelque part. C'est quoi ta tessie? Ça a vu de ma robe, mais je t'ai vu à Chantilly. Pardonnez-moi infiniment, mademoiselle, je n'ai prêté qu'une attention lacunaire à vos paroles. Et à ma plus grande honte, je n'en ai pas tout à fait pénétré le sens. Il est sexy, ton t-shirt. C'est classe, oui. Mais tu dois avoir froid comme ça. Faut quelqu'un te réchauffe, hein? Tout de suite, en général? Oh, tout le temps. Tu veux me réchauffer? Mmh. Oh, tu me plais, tu sais. Je t'ai tout de suite remarqué. Tu t'es regardé, pauvre tarte. Votre mine, vous êtes bon pour la retraite anticipée. Ou alors, le cimetière. Bonjour, monsieur Robin. Oh, madame Ficelle. Comment allez-vous? Comme un pollué. Vous pourriez pas faire quelque chose pour moi? J'ai mon chauffe-eau qui fume. Il fume? Ah, ben, je vais voir ça. Mais il n'y a pas de chauffe-eau qui fume. Mais non, il n'y a pas de chauffe-eau qui fume. Et moi, j'ai le feu au sang, monsieur Robin. Ah non, ah, madame Maria. Merci. Non, madame Maria, non. Pensez à Antoinette. Pensez à Maria. Non, oh, pensez à la pollution. Madame Maria, la pollution, je veux sortir. Non, madame Maria, c'est des... Ah, madame Maria, je suis écologiste, je vous interdis. Je vous interdis, madame Maria, non. Madame Maria. L'héroïne de votre film, La morte vivante, est près de vous. C'est Françoise Blanchard. Françoise, tenir un tel rôle au cinéma, c'est pas difficile pour une femme? Pour une femme, disons que c'est un petit peu éprouvant psychologiquement et nerveusement, mais c'est très intéressant en tant que comédienne pour la construction de ce rôle, la recherche, parce qu'il n'y a pas de support comme pour jouer un autre rôle, une avocate ou une princesse. Une morte vivante, ça n'existe pas, il faut la créer. Pour vous, c'était une première que ce rôle de vampire? Dans le cinéma fantastique, oui, puisque autrement, j'ai fait surtout des films comiques ou péplum, genre Néron épopée. Ou... Et puis près de vous aussi, Fanny Imagier, ce n'est pas votre premier film, vous avez joué ensemble dans d'autres films. Oui, dans 6 films au total. On se connaît depuis 3 ans, et surtout grâce à Fanny qui m'a fait faire plusieurs films. Nous quittons plus. Du reste, il y en a qui passent actuellement en Haute-Normandie. Oui, Néron épopée d'Anthony Passe et L'émir préfère les blondes avec Paul Prébois. Alors rapidement, on rappelle Jean Rollin, ce soir, première à Fécamp, La morte vivante, un film qu'il faut voir, mais pour le voir, il faut avoir le cœur bien accroché. Oui, il y a beaucoup d'effets spéciaux et de trucages sanglants. Thank you.
Клодин. Ничего хорошего, не так ли? Да, мадам. Но я клянусь... Заткнись. У меня сложилось впечатление, что ты пыталась сбежать с маленькой азиаткой, в то время как мы боролись с французскими спецагентами. Да я только хотел уберечь ее от пуль. Но твоя подружка нет. Послушайте, у нее нет пробирки. Рик дал ей только собственное фото. Свое собственное фото, понимаете? Секретного оружия нет, хватит. Я думаю, что Ева работает на наших приятелей. Если пробирки у нее нет, то она знает, где та находится. Ты на нашей или на ее стороне? Отвечай. Вы же знаете, что я всегда была с вами. Ну, посмотрим. Мистер Бобби! Ça doit être formidable d'être directeur de prison. Oh, bah vas-y. C'est qu'il faut du chou et du bras. C'est qu'on n'a pas à faire des enfants de cœur. Ce sont les fauves. Des bêtes féroces. Des bandits. Des tueurs. Vous gardez des tueurs? Non, je les garde pas. Je les mate. Je les mets à genoux. Pas un qui me résiste. Un mot de travers, c'est la schlag. Du schlag de vie. Paf. Voilà, je l'ai. Et les femmes, elles vous résistent. Avec les femmes, la tactique est différente. Et je suis très difficile. Il faut qu'elles soient super, extra. Avec vous, je suis sur la bonne trajectoire. Vous êtes tout ce que j'aime. Vous allez être gâtés, vous savez. Oh, monsieur Bobby. Oui, vas-y. Oh, monsieur Bobby. C'est... Oh, quelle brute. Vous l'avez ennuyé. Oh. Ça manque de respect, monsieur Bobby. Ben, je vous le dis. Oh. J'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Madame, monsieur, on choisit? Oui. Des spaghettis. C'est sûr. Qui brille sur la vie. Musique, musique, musique.
Non, mais... Tu... Ça, c'est ma querelle. Aucun risque, hein? Sylvie. Oui. Bah, allez, mon grand bonjour. Bonjour. Non, écoute, oui, d'accord. Non, écoute, on va monter dans la chambre. Tu vas, je vais prendre ton petit. Oh, t'es si pressé que ça? Oui, s'il te plaît. Oh, merveille des merveilles. Splendeur sublime. Mais elle est encore plus belle que sur les photos. Mais qui c'est, celui-là? Ça, c'était un cousin. Un cousin? Tu parles? Cousin. Un cousin. Monsieur Benfatal. Im Benfatal. Enchantée, mademoiselle. Vous êtes un ravissement. Tu m'avais pas dit que t'avais un cousin de là-bas. Oui, mais ça, je peux pas tout te dire, hein. Bon. Voilà, alors Sylvie, elle est un peu fatiguée par son long voyage, alors elle va aller se reposer, hein. Allez, viens. Oh non, ne partez pas, petite colombe. Non, restez avec moi, je vous en prie, venez. Là, s'il vous plaît. Oh, quelle est belle. Champagne. Ça apporte bonheur. Oh, Il est charmant, ton cousin. Tu ne m'avais pas dit, cher cousin, que ta fille était aussi délicieuse. Mais je suis pas sa fille. Ah non? Ah non. Non, c'est pas ma fille, c'est ma nièce. Ta nièce? Oui. Sa nièce? Je suis sa nièce. J'étais bien. Tout était flou autour de moi. Des sensations fugitives. La mort m'aurait reprise tranquillement. C'est toi qui veux m'attirer dans ton monde de vivant. Tais-toi. Je t'en supplie, tais-toi. Regarde. Je suis entourée de cadavres. C'est moi qui ai fait charnier. C'est moi qui ai vidé ces corps de leur sang pour qu'ils coulent dans le mien. Pour faire de moi une morte vivante. Assez. Assez. Tu n'as jamais été morte. Les morts ne reviennent pas. On t'a endormie, droguée, rendue folle, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne t'avais jamais vue morte, Catherine. C'est un cercueil vide que l'on a enfermé dans cette crypte. Non. Je suis morte, Hélène. Je le sais. Tu comprends? Je le sais! Tue-moi. Détruis-moi. Hélène, j'ai mal. Achève-moi. Je ne peux pas te voir souffrir. Der macht mich unheimlich Angst. Kannst du ungeheuer gut. Was?
Sie tanzen gut, ist aber ein bisschen eng hier. Mir macht das nichts aus, aber Ihnen scheinbar. Oh, nicht unbedingt, aber ich ziehe einen intimeren Rahmen vor, zum Beispiel bei mir zu Hause. Gehen Sie immer bei Mädchen so ran? Na klaro. Hast du Lust, Pascal? Kannst du mal tanzen? Bleibt ja. Also was, los, kommt ihr mit? Ja. Auf, na komm, gehen wir zu. Los, wir treffen uns draußen. Warte, ich muss die Sachen vom Tisch noch holen. Hey, wir treffen uns draußen vor dem Eingang. Ja, ist gut. Mit Champagner stehe ich unheimlich. Ja, er prickelt so schön auf der Haut. Du meinst an einer ganz bestimmten Stelle. Mhm. Oder wollt ihr vorher einen Whisky? Nein, gleich Champagner. Ich trinke nur Champagner. Gut. Was ist mit dir, Pierre? Trinkst du auch Champagner? Nein, lieber Whisky. Gut. Also. Hier. Vielen Dank. Hier, bitte für Sie, Annie. Danke. Trinken wir auf das, was wir lieben. Ich trinke auf die Liebe. Willst du nicht eine hübsche Platte auflegen? Mhm. Aber klar, sofort. Wir wollten ja eigentlich ein bisschen tanzen. Musik kommt gleich. Sehr geschmackvolle Wohnung. Ja, sie gefällt mir auch. Mhm. Wollen wir tanzen? Ja, gerne. Françoise, le garde. Il faudrait mettre le haut-parleur derrière l'écran, hein? Ouais, ouais, d'accord. Où vous en êtes? Mais le problème, c'est bien. C'est pour le... Наше возвращение лишит Калигулу покоя. Это еще мягко сказано. Я пока что буду держаться от него подальше. Он с ума сойдет, когда узнает, что мы покинули остров. Похоже, он уже и так обезумел. От любви к мисс Салине. Но думаю, с ней-то я справлюсь. Она всего лишь маленькая шлюшка. Elle n'a rien? Effectivement, elle n'a plus rien. Tu n'as pas une idée de ce qui se passe, Martin? On est peut-être confronté à une sorte d'entité surnaturelle, genre vampire. À part qu'au lieu de sucer le sang, il prend le visage de ses victimes. Essayons de connaître son identité. Françoise Blanchard. Ça alors, c'est incroyable. Sophie et elle se ressemblent comme deux gouttes d'huile. Appelons le centre, ils ont dû analyser l'empreinte. Pas besoin. Non, non, non. Un petit, oui, j'ai simplement un peu exagéré. Enjolivé un peu, quoi. Il se fait tôt, hein, papa? Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, fiston? Tu as l'air au 40e dessous. Petit Franck a dit que tu n'étais qu'une poule mouillée. Mais je lui ai dit que tu étais le plus grand combattant de taekwondo du monde. Tu veux bien m'apprendre cette tradition familiale, papa? Eh bien, ce sont des choses qui arrivent, fiston, mais... Ça a été mortel, papa. Nous, les Dracula, on ignore la peur, on peut les battre et écraser ces monstres juste faits de briques et de broc. Oui, certainement, bien sûr, mais pas cette semaine, j'ai trop à faire. Nous avons des obligations royales. N'oublie pas que je suis le roi des vampires. Et toi, mon fils, tu continueras... C'est exactement ce que je disais, papa. Oui, tu continueras cette sublime et longue saga historique. Quoi ne peut être mis en service. Tu dois apprendre à maîtriser tes pouvoirs. Oh, oui. Tu es blessé? Oh mince, c'est un faisceau Aldébaran. Oh, ils sont vraiment magiques. Oh, j'ai dit, je n'ai pas vu. Je veux dire, je voulais pas voir. Je veux dire, non. Willy, je sais que ce n'est pas de ta faute, mais tu as vu un des plus grands secrets des artificiers. Oh, je te le jure, j'en parlerai à personne. Oh, maître Jenny, personne en dehors de l'ordre ne connaît les démons Quark. Félicia, j'ai confiance en Willy. S'il jure de ne jamais révéler nos secrets, alors on est en sécurité. Je promets, Jenny, je jure, croix de bois, croix de fer. Bonjour, je suis Willy Duvitte, ingénieur de la frégate des animaux unis. Ravie de vous rencontrer. Oh, enchantée, je suis la princesse Félicia, grande fille du grand artificier. Je dois bientôt partir en quête initiatique. Quand tu seras prête, Félicia, tu partiras. Qu'as-tu, mon garçon? Quand les yeux ont dévalisé la banque.
Mais ne pleure plus, mon petit. Je les rattraperai, ces vilains. Oh, c'est pas pour la banque que je pleure. Ils m'ont pris ma sucette en passant. Oh, ça geste, les merlets. Je n'espérais plus la trouver. Je suis prêt, tu es prêt? Je suis prêt, oui. Mais à quoi je suis prêt, au fait? À déclencher le piège. C'est ce que t'allais dire. Ah! Tu es pris, hérisson. Oui, fini de jouer au chat et à la souris. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Ah, les gars, vous n'allez pas faire ça. Et pourquoi pas? Nous tenons tellement les uns aux autres. C'est vrai, ça? Eh oui! Tu ne te souviens pas quand on s'est connus? Non. Eh bien, tout a commencé avant ta venue au monde. Nous sommes arrivés dans un village désert, Tails et moi. Où sont les gens? Nous nous cachons! Et si vous étiez plus intelligents, vous feriez comme nous! Ils se cachent? Pourquoi? Allez les amis, encore un petit effort, nous avons évité le village. À midi, nous serons dans notre camp. Et nous partagerons l'or. Alors, bel ami, on use de ces armes naturelles? Colonel! Colonel! Le coffre est là et l'or aussi! Il y en a beaucoup. Il y en a pour toute une armée. Peut-être est-ce suffisant pour deux. Et eux? Mais un geste de toi, ils ne comptent plus. Et eux? Ils sont à moi. Corps et âme. Et si tu veux, ils sont à toi aussi. Corps et âme.